qu'on voulait avant tout, que ce soit un match de préparation, mais quand même mettre assez d'intensité comme si c'était un match de championnat. Je pense qu'on l'a quand même montré en première mi-temps qu'on était bien présent. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, on a commencé à sentir un petit peu la fatigue par rapport à l'équipe de Portez. Quand on aime gagner comme moi, on est toujours un petit peu déçu, mais voilà, la montagne, elle était quand même haute. On sait très bien que Portez joue à fond la Coupe de France et c'est un très très grand club. Ils nous ont pas pris à la légère, on l'a vu d'entrée, donc c'est très bien. Et si, un petit peu déçu, mais content d'avoir eu ce match de préparation, personnellement pour moi, surtout pour mon premier match officiel. Que déjà c'est le premier match officiel où on est tous ensemble. Ibrahim Saounera, il est arrivé là dernièrement, moi je reviens de blessure, donc c'est normal qu'il y ait des imperfections. L'équipe est nouvelle, que ce soit les différents pivots, donc je pense qu'il va falloir être patient et beaucoup bosser à l'entraînement. J'ai pas forcément de date pour ça. En tout cas, on va déjà essayer d'être prêt défensivement pour le match du 26 septembre à la maison. Après, le reste, je pense que ça va se faire au fur et à mesure. Mais personnellement, je pense qu'on sera pas prêt le 26 septembre au niveau offensif. Il faut que ça soit huilé. L'effectif est nouveau par rapport aux deux dernières années, donc il va falloir nous laisser du temps. Je la sens bien, je la sens bien, tous les joueurs je les sens bien. Après, il va falloir que la plupart, on essaye de plus vite comprendre, j'allais dire, le mode défensif que le coach veut, que ça soit aussi offensivement, être beaucoup plus rigoureux, ouais. On peut même le mettre entre guillemets, beaucoup plus rigoureux sur les systèmes. Et après derrière, je pense que ça va aller. On a déjà deux matchs la semaine prochaine, un mardi où on va à La Rochelle et un samedi à 18h ici à Chaland. Donc ça va être une grosse semaine, il va falloir bien récupérer ce week-end et surtout revenir lundi avec l'intention de toujours travailler. Et la dernière semaine, c'est une semaine, on va dire, type avant le match contre Épinal.